Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Assetto Corsa et une vidéo sur le Grand Prix d'Autriche avec le mode 2017. Donc le lien est toujours dans la description de la vidéo. Et donc je me suis fait un petit GP hein, sur une dizaine de tours avec la monoplace d'Esteban Ocon, la Force India. Et donc voilà, en fait on va visiter un peu le circuit. Alors départ un petit peu chaotique ici, on tape un petit peu des voitures, ouais, j'ai l'aileron un petit peu abîmé. Alors l'IA qui est très agressive, hein, je l'ai réglé en mode très agressif, on est en niveau de difficulté 90%. Et donc on fait une petite tour de visite hein, du circuit. Alors j'aurais dû la sortir cette vidéo juste avant le Grand Prix d'Autriche, hein, mais j'ai pas pu, j'étais un peu malade. Et du coup donc là on arrive à le premier virage au départ, donc c'est lieu d'accrochage, on a vu pendant le Grand Prix. Et après on a une courbe qui monte avec une épingle tout de suite qui serre à droite. Et ici on arrive sur la zone de DRS, où on a vu que bah, c'était pas si facile que ça à dépasser, hein, notamment Vettel hein, sur Bottas qui a pas réussi à trouver l'avantage sur les derniers instants. Et ici on arrive à l'endroit où il y a le gros taureau rouge, hein, on va le contourner. Là je me loupe ici dans le virage, je suis arrivé un petit peu trop fort, j'ai pas assez ralenti la monoplace et je suis allé dans l'herbe. Contact ici avec Felipe Massa. Non, c'était avec Lance Stroll d'ailleurs, c'était pas Massa. Et du coup je vais repartir à l'assaut du pilote Williams avec ma Force India. Un petit peu de sous-régime ici, je me suis un petit peu loupé. Et donc là on arrive à la fin du tour, un tour qui est relativement court, on a vu les meilleurs chronos en moins de 1.5 au tour, c'était assez impressionnant. Donc moi personnellement mon meilleur chrono c'était plutôt autour des 1.8. Et on est reparti pour un deuxième tour, donc là on est parti pour 10 tours. Et je vous laisse les 10 tours dans leur intégralité, je vous laisse profiter du mode, du bruit du moteur et de la texture des voitures. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à commenter, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. D'ailleurs, normalement, demain soir, on aura un live sur F1 2016. Alors j'hésite encore entre soit faire mon Grand Prix à Monaco, sur ma carrière en F1 chez Ferrari, soit peut-être faire un live abonné, donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Allez, bisous à tous, ciao ciao.